Jeudi, c'est dimanche, 31 mars, et dernier jour. Et dans moi, chers amis, je suis content pour me rejoindre. Ensemble, nous allons étudier en portion dans l'étude semaine. Je vous rappelle que nous n'avons pas abordé. Et il y a un nouveau trimestre, ça veut dire que nous avons l'autre guide d'études pour nous capables d'étudier. Et le thème trimestre, c'est le grand conflit ou bien la grande controverse. Mais la première étude que nous apprenons pendant la semaine, c'est la guerre. Derrière toutes les guerres, c'est l'étude qui nous a préparé la semaine maintenant, qui c'est l'étude numéro 1. Mais jeudi à qui c'est dimanche, nous allons ensemble, guerre au paradis. Guerre au paradis. Mais avant même que nous entrions dans la portion d'étude, ça, à nous prier bon Dieu. Papa, nous qui placions au ciel, nous disons merci, merci pour votre miséricorde manifestée dans la vie. Merci parce que nous avons une possibilité pour nous entamer un nouveau trimestre. Eh bien, ou ben nous avons l'autre guide qui est capable d'orienter nous à propos de paroles. Nous avons demandé au Dieu que l'instruction soit réservée pour nous, que nous-mêmes nous avons pour nous recevoir jour après jour, qui nous aide nous à grandir spirituellement, à développer une bonne relation avec vous et vivre dans la volonté. Fais-nous du bien, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, nous comptons pour commencer avec vous aujourd'hui pour que nous soyons capables de voir ensemble une portion de l'étude semaine. Et j'ai que nous, tu déjà dit, nous avons rappelé, nous avons un nouveau trimestre, nous avons l'autre guide d'études. Thème, c'est la grande controverse ou bien le grand conflit. C'est thème ça durant toute semaine et durant tout trimestre là. Nous avons avec nous, nous pour nous capables d'étudier. Et semaine ça, nous avons un premier sujet, et la guerre derrière toutes les guerres. Et je dis à nous, il y a une pile de guerres qui ont fait à travers le monde. Et il y a guerre pays, famille entre famille. Et moun ka viv nan menm vil, nan menm peyi nou wè a batay, men deye tout gè sa yo, e ben yon pwemye gèr ki te komanse, e ben ki vin koz, e ben tout gèr sa yo. E se sa ke nou apwè padan semen nan. E teks nou genye pou nou kapap kenbe nan tèt nou an, se Apokalips, chapitre 12, verset 7 et 8. E il y gèr dan le siel. Michel et ses anges kombatir kontre le dragon. E le dragon et ses anges kombatir, men il ne fut pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et Apocalypse 12, versets 7 et 8, qui est texte pour nous capables de bien dans la tête. Nous. Je dis, nous allons ensemble, guerre au paradis. Guerre au paradis, c'est une portion ça que nous allons considérer ensemble. Et nous connaissons la guerre, et c'est l'absence de la paix. Okay? C'est bataille qui gagne entre plusieurs groupes de monde, entre plusieurs pays. Et c'est ça, nous capables de brûler la guerre. Et paradis, nous capables de dire, c'est un lieu de repos. Nous capables de considérer comme ça. Depuis nous dit paradis, eh bien, c'est côté qui pas gagner tout le monde, c'est côté qui pas gagner un problème. La guerre au paradis, nous capables de voir ça, le paradis comme étant un contraste. Et nous capables de dire, le paradoxal, guerre au paradis. Et c'est un bagage qui paraît inexplicable. Mais nous allons considérer ensemble Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 9. Nous allons regarder ce qui s'est passé à ça, lui-même nous révélé sur la liberté qui était gagnée dans le ciel là et qui côté mal là, tout lui-même nous sorti. Et nous allons regarder tout, lorsque Lucifer lui-même était rebellé, comment bon Dieu lui-même était réagi. Nous allons aller pour le premier texte que nous allons aller dans l'étude aujourd'hui, qui c'est Apocalypse. Chapitre 12, versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais il ne fut pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipité avec lui. Eh bien, verset ça yo décrit un conflit cosmique qui existait entre le bien et le mal. Satan avec Zangelio te fait la guerre contre Christ dans le ciel là et finalement c'est Satan avec Zangelio qui était obligé quitter ciel là parce qu'il était chassé dans le ciel là. Il paraît extrêmement étrange que une guerre éclate dans un endroit qui était aussi parfait que le paradis. Nous n'avons qu'à poser question ça yo. Pour qui ça, ça lui-même était produit? Yon Dieu qui aimant, est-ce qu'il était créé un ange démoniaque qui déclenchait, eh bien, guerre ça?
un ça lui-même, est-ce qu'il était tout créé avec un défaut fatal qui était poussé là à rebeller contre bon Dieu? Eh bien, la Bible explique clairement l'origine mal là. Et la Bible pas caché rien sous conflit qui existait entre le bien et le mal. Nous avons deux textes que nous allons comparer. C'est Ézéchiel chapitre 28 verset 12 à 15 et puis Ésaïe 14 verset 12 à 14. Nous allons regarder qui ça qui était passé dans l'esprit être angélique ça qui était le Lucifer pour arriver rebeller et ben contre bon Dieu. Et ben, nous allons regarder ensemble dans Ézéchiel chapitre 28 verset 12 à 15. Fils de l'homme, prononce une plainte sur le roi des Tyr. Tu lui diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, de scaboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Eh bien, il y a l'autre texte, c'est Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 14. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Eh bien, nous, ouais, souvent compréhension de texte, ça. Et souvent ça qui nous lit: bon Dieu, pas de créer diable, bon Dieu, pas de créer Satan. Bon Dieu t'a créé un être éblouissant qui dérélait Lucifer. Eh bien, être angélique, ça, il t'a créé parfait. Et en d'imperfection, ça qui bon Dieu lui-même, il t'a créé et être ça, il t'a bali ça, la liberté de choix. Il y a un principe fondamental qui dans le gouvernement bon Dieu a, qui fonctionnait par l'amour et non par la force. Péché a été pris naissance et dans le ciel là même. Et, mais pas aucune explication logique au fait que un salité laissé orgueil jalousie prendre racine dans cœur lui et développer jusqu'à ce qu'il vienne rebeller contre créateur lui. C'est-à-dire nous pas explication logique que nous capable faire mais seulement nous ouais et suivant texte que nous lisons là mais que dans texte yo surtout Ézéchiel 28 là et il fait référence avec roi de Tyr et mais c'est son texte qui est un peu symbolique également, qui fait référence tout avec Lucifer, condition Lucifer, c'est nous capables seulement de dire, les laisser jalousie avec orgueil. C'est ça qui nous capables de dire, c'est ça qui nous est qui envahit que jalousie avec orgueil, qui te prend naissance dans lui-même. Après ça, pas une explication logique que nous capables de faire, il y a un être qui est créé parfait, qui est en condition de perfection, et puis qui va le quitter. Eh bien, orgueil avec jalousie, eh bien, rempli qu'elle jusqu'à ce qu'elle vienne obéir, elle vienne désobéir avec bon Dieu, elle vienne rebeller contre bon Dieu, elle vienne opposer complètement ensemble avec bon Dieu. Eh bien, Lucifer, il y a un être qui était créé et il était désiré adoration qui appartient au créateur, c'est-à-dire il était besoin de recevoir adoration, même Jean, créateur, l'a recevoir adoration. Il était besoin pour être un bon Dieu parce qu'il était metté. L'été voulait prendre un trône bon Dieu en mettant en cause son autorité. Rébellion, ça a été conduit à une guerre ouverte dans le ciel là. Bien que bon Dieu ait supporté Lucifer pendant longtemps, mais il n'est pas capable de permettre avec Lucifer pour te souiller ciel là et bien par rébellion. Et bien, des conseils célestes adressés à Lucifer, à maître prise pour exhorter, pour le ramener à l'ordre, mais il était senti lever trop loin. Et pour te retourner vers une jeune bon Dieu. Le Fils de Dieu, eh bien, lui représenta la grandeur, la bonté et la justice du Maître et de l'univers, ainsi que la nature sacrée et l'immutabilité de sa loi. C'est bon Dieu même qui t'a établi l'ordre, qui t'a prégné dans le ciel là. En s'écartant, Lucifer déshonoré créateur lui, il y a attiré malheur sur votre tête lui. Mais avertissement ça, hein?
Et il te baille avec amour, avec compassion. Mais ça n'a pas fait rien pour Lucifer. Plutôt, c'est résister et rendre Lucifer lui-même devenu plus résistant. C'est résister mettre, résister plus. Eh bien, et Noé, et la guerre au paradis, et pas gain trop bagaille qui nous capable dire guerre dans paradis ça. OK? Et seulement Noé, c'est un bagaille qui n'est un sens inexplicable. Ou créé parfait, ou trouver nos conditions parfaites, et puis pour quitter le mal, pour prendre naissance dans nous-mêmes. Ça, il paraît comme étant un mystère, un bagage qui est vraiment ensemble avec nous. Nous ne sommes pas capables d'expliquer pleinement. Mais seulement ça que nous voyons, c'est que Lucifer, à cause de beauté, à cause de position, eh bien, jalousie avec orgueil, eh bien, remplit que. Les réflexions que nous gagnons aujourd'hui, qui ça le dit? Quelle leçon pouvez-vous tirer du caractère de Dieu dans sa manière de traiter le mal? Eh bien, nous voyons, et bon Dieu, il n'y a pas agi même bien avec moi-même ou même aujourd'hui, en plus fois, qui est monde sous l'ordre de nous, ou bien nous-mêmes qui sommes dirigeants d'église et autres. Et là, nous faisons des mal, rapidement nous décidons. Et nous disons, un tel pas de doit faire ça par rapport à votre position, il n'y a pas de doit faire ça à l'église, il n'y a pas de doit faire ça, il n'y a pas de doit faire ça. Et bien, nous, ouais, bon Dieu, pas agi comme ça. Certes, nous pas Dieu, nous sommes humains, mais nous, bon Dieu, montre-nous comment pour nous traiter. Eh bien, moun yo le ou fè un bagay ki pa bon. Parce que même gens ont traité un monde qui font bagay qui mal, eh bien, ou même tout, ou qu'on fait ça qui mal, ou pas parfait. Ok, c'est-à-dire, eh bien, si vous bagay qui nous besoin imiter la kaye bon Dieu, nous besoin apprendre traiter l'autre moun yo avec compassion, avec amour, avec bonté, yo façon pour nous ramener yo à l'autre. Nous, Lucifer lui-même, les chasser dans le ciel là, c'est parce qu'il n'est pas décidé de repentir, c'est parce qu'il n'est pas décidé de changer condition. Il était senti qu'il vivait trop loin dans le mode de vie qu'il t'a mené, dans la révolte qu'il t'a mené. Il senti qu'il vivait trop loin, il n'a pas décidé de faire ça. Eh bien, nous, bon Dieu, tu as temps avec Lucifer pour qu'il soit capable de repentir, pour changer les conditions de vie et pour continuer à adorer le Créateur. Mais malheureusement, ce n'est pas ça qu'il lui-même était venu. Eh bien, moi, c'est avec aujourd'hui, lorsque nous avons l'Église ou bien quelque soit la communauté qui nous a dirigé, lorsque nous avons fait ça qui est mal, eh bien, traitez-la avec amour et manifestez bonté, compassion, miséricorde envers Mounsa, une façon pour capable ramener Mounsa, retourner à l'autre, quel que soit sale t'es capable de faire, eh bien, qui t'apparaît mal dans les yeux pas nous. Je dis à nous d'apprendre ensemble, guerre au paradis. Bien avant nous aller, à nous prier. Merci, mon Père, pour révélation parole. Aidez-nous pour que jour après jour, nous sommes capables de comprendre et puis tirer pour finir la parole sérieux et puis vivre dans la condition que vous-même souhaitez que nous vivions. Notre trimestre commence. Eh bien, nous, par contre, ça qui est réservé pour nous pendant le trimestre. Mais puisque au jour le jour, c'est vous-même qui gardez nous, nous remettons vie nous dans nos mains et nous demandons que le trimestre soit capable favorable pour nous à tous égards. Bénis-nous, Père des cieux, que la soit sur le nom de Jésus. Amen. Vous avez déjà, M. Tour, bonne étude, bonne journée et que Dieu vous bénisse.